C'est la panique, y'a Pounce qui a réveillé Paco d'un coup. Non, mais tu genre tu dors la nuit, t'es tranquille, tu rêves de cul. D'un coup y'a quelqu'un qui arrive qui fait sur tes fesses. C'est, désolé. C'est vrai, tu l'as touché pour qu'il ait peur. En fait il est dégoûté, j'ai juste fait pouette dans ses fesses. Oh le bébé. Elle a mis son doigt, elle a mis son doigt dans le pitou. Elle a mis son doigt dans le pitou du chien. Oh le pauvre bébé. Tu peux jouer quand je suis même pas sur le truc. Tu vois, bouge les touches. Oh c'est génial, je peux changer de jeu quand on est comme ça. Forbidden, et du coup voilà, vous l'avez compris, on est sur Forbidden Siren 2, un jeu PS2 que Adwim ne connaît pas, et c'est pour ça qu'il voulait y jouer. À la base je voulais faire justement Fatal Frame 2, et finalement il a dit oui, non, ta gueule. Donc du coup on fait Forbidden Siren. Pas qui dit. Par contre il y a un petit problème juste au niveau de la cape, il va falloir que... Ça, bougez pas. Tac, je vais virer les petits. Ouh. Attends, wow. Regarde la luminosité jusqu'à ce que le centre soit noir. Noir. Attends, il va. Si je vais mettre au noir, il va demander. Voilà, c'est bon, normalement. Non. Qu'est-ce que t'as dit? Répète là. Attends, je rapproche le micro. Qu'est-ce que t'as dit? Si tu mets trop noir, il va quoi? Ces gens-là sont respectables. Le dis pas comme ça, c'est encore pire. Les gens ils pensent que c'est sérieux. Mec, j'ai même pas entendu ce que t'as dit, mais je savais que c'était super insultant. T'as coupé le micro? Franchement, ça allait. On s'est muté quand même pour qu'il me raconte la blague. Je pensais que t'allais dire si je mets trop noir, il va chanter le blues, mais finalement ça va. Non, j'ai pas dit que j'allais brûler. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, alors? Non, je vais pas faire ça. C'est trop tard. C'est Shumikami. Shumikami. Jigibibi. Donc tu connais pas Forbidden Siren? Non. C'est un vieux jeu PS2. C'est vrai? Ouais. Et qui a fait pas mal d'émules. Heureusement que tu me l'as dit parce que c'était pas évident. Et j'y ai joué qu'à sa démo. C'est vrai? Sur les démos techniques qu'on avait dans les magazines à l'époque. C'est trop écrit. Your job is to find the treasure. Je vais augmenter un peu le son de l'ému. Oh, regarde, voilà. Il est mort intérieurement. Et tu vois que rien que cette petite cinématique avec des japonais bizarres. Ça me fait plus peur que l'autre jeu. Il est mort intérieurement parce qu'il est mal fait ou... On dirait les mêmes modèles que sur Mafia 1. Ouais, mais il est avec les gens scannés dessus. Mais il est vieux aussi Mafia 1, mec. Hein. Il est encore plus vieux Mafia 1. C'est raciste, ça ruru. Merci, le bon. J'ai rien dit de raciste, c'est pas de ma faute s'il a l'air un peu mort. Et du coup, la particularité de Forbidden Siren 2... Waouh. Waouh. Oh, oh. Bon, je crois que mon père il est en train de se faire enculer. Le pauvre Paco il ose plus dormir. Non, mais dès qu'il dort on lui met des doigts dans le cul. Non, mais j'ai pas fait exprès. Ah, je fais dodo. Rompiche. Je me suis pas lavé. J'ai des boulettes de caca. Oh le pauvre. Mais comment tu vas avoir peur? Ne les laissez okay, pas. Ok, on se concentre. Oh, oh. Des gâteaux. Y a des gens qui sont rentrés, j'aime pas ça. Merci Whisky. C'est gentil Whisky. J'ai vu le message avant, donc j'avoue ça m'a moins fait peur, mais... Oh, on joue un gamin. Daddy. On va le rejoindre sous la douche. Ouais, oh, il y a eu. My Japanese daddy. Et tu sens que c'est notre époque. Et moi, je l'aime bien cette époque. Fucking hell. Alors par contre, je crois que ton joystick droit, il est inversé. Pourquoi? Au niveau de la vue, non? T'as pas d'option, là, je crois. Je crois que... Ah, mais pour c'est l'instant, je crois que je connais. Et pour l'instant, t'auras pas d'option, je crois, donc il va falloir faire avec un peu. Oh là là, la maniabilité. C'est de la première personne. Alors oui, c'est de la première personne. Et justement, ce qu'il disait Adwim, c'est qu'on peut transférer... On peut voir la vue des ennemis, en fait. Je connais. Qui a joué. C'est connu comme jeu. Hein, oui. Et c'est chaud un peu. J'ai joué et j'ai été trauma. Ah bon, bah, voilà, impeccable. Du coup, peut-être je vais vous laisser continuer. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a un film, Forbidden Siren, qui est sorti il y a quelques années, qui était fort sympathique. Sérieux? Oui. Bah oui, il y a Nomura qui se rappelle le jeu aussi, qui a dit non, donc je pense qu'elle a eu la même expérience. Non, mais en fait, je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça, mais je suis sûr de l'avoir fait, c'est sûr et certain. Il y a la princesse sirène, ça peut pas être un problème. Mais du coup, ça va être quoi tes ennemis? Je comprends pas. Tu vas voir. Ok. Pour un jeu PS2, super impressionnant, mec. Tu vas voir que tu vas pas kiffer longtemps ouvrir tes portes comme elle est en train de le faire. Et du coup, ouais, la grosse feature du jeu, c'est que. Nade! Daddy! T'es tout rouge! Tu es mort! Communiste! Daddy, tu es mort! Oh! Oh, un petit glimpse! Ah, bah c'était rapide! Je te donnais ma manette!
Oula. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une histoire de temporalité aussi. Oula, dans le scénario. Attends, ça allait super vite là. Tu vas souvent revenir en fait et tu vas voir des scènes sous d'autres angles en quelque sorte. D'accord. Et ça, c'est la fin de Battle Royale. J'ai l'impression que c'est un petit peu le thème du jeu. Tu peux avoir un peu de mou là. Ouais, prends du mou. T'aimes bien du mou là. C'est bien mou là. Oh, le bon mou dingue. Oh, c'est mou là. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le thème central du jeu en fait. La vue de l'autre, la vision de l'autre. Très belle coiffure sur ce mec en veste en. C'est vraiment la fin de Battle Royale. Tu sens que ça fait un peu cache-misère les effets qu'ils ont mis sur la caméra et que la cinéma. Toulouse ? C'est encore toi ? Pas encore, mais putain, reste dans ton jeu, putain ! Oh là 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 là. Est-ce que la revue, il fait ok. Ok. Mais en vrai, les graphismes, ils sont impressionnants, hein. Même si c'est du pré-rendu. Les deux premiers Forbidden Siren ont eu leur petit moment de gloire sur PS2. Hein. Ah ouais ? Avant de tomber dans l'oubli, avant cet épisode 3, bizarroïde. Bon, là, il y a 20 FPS, moi. Oui, c'est pas, ça vient pas de l'émulation, hein, ça vient du jeu. Hein. Mais elle est dans une mer de crevettes, là, c'est quoi ? Une mer de sang crevetté. Oh non ! Il y a tellement d'inspiration pour le Zero. Dis-moi pas, là, c'est super fort. Dis-moi si je dois partir ou pas. Ruru, pourquoi il y a ton chien de Fallout ? Oh, bah, le pauvre, attends, dis pas ça de Dogmeat, il est gentil, Dogmeat. Il est un peu tordu à cause de ton casque. Wow. Attends, sauvegarder les points de jeu jusqu'à ce point ? Bah... Oui. Franchement, ouais. Et je t'enverrai les saves, comme ça tu pourras le faire le dimanche. Mais c'est un jeu qui m'a toujours intrigué. Pour commencer à jouer, c'est le niveau non terminé. Ah, et donc... Tu peux choisir ! Oh la vache ! Attends, non terminé, c'est les bleus ? Ouais, c'est ça, ouais. Mamoru Utsuki. Valoré. Voir résumer niveau jeu suivant. C'est bizarre, parce que le joystick, t'as le droit... Là j'ai le droit au joystick, mais arrivé là j'ai plus le droit au joystick. Ouais, mais c'est souvent dans beaucoup de jeux PS2, c'est ça. Attends, mec. Hein. Niveau suivant. Monsieur. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, j'ai. Bah. Ah, je suis pas d'accord. J'ai réussi à faire marcher Mercenaries en émulation, donc je pourrais vous en faire un stream, voire deux, voire 7000. Tu peux refaire le bruit. Mais c'est pas ça que tu m'avais parlé une fois. De quoi? Mercenaries. Et ça, si je t'en ai parlé ça, souvent, c'est je la crois. Démo. Ça, c'est la démo. Et c'était génial, Mercenaries. Bah oui, c'est pour ça. Ça fait un moment. Il y a Black aussi et MGS3. Black, il a vachement mal vieilli. Ah oui, je sais, mais j'ai envie de le montrer quand même. Alors que Mercenaries, il est encore vachement fun à jouer. Très bien, une petite serviette. La Bunker Booster. Et puis il y a une ambiance tellement enivrante dans Mercenaries. Et puis tu changes de map au milieu. Oui, c'est vrai. Et puis c'était super dur. Ouais, le jeu est vraiment très très dur. Super dur. Avant que Mercenaries 2 arrive et... Et ruine tout. Et ruine tout d'une balle dans le cul. T'as réussi à faire tourner MGS3 en ému. Ouais. Ouais, Scholar. Avec une nouvelle version de PCSX2 qu'on utilise là d'ailleurs pour Forbidden Siren. Attends, la route de la forêt de Rue. Uryuga. Avec le compagnon de voyage. Le cube. Il parle français. This was a triumph. C'est longtemps. Alors, les niveaux permet d'apprendre des actions de base comme se déplacer et attaquer. Attaquer ? Déplacer Mamoru et terminer la mission demandée. Mamoru ! Olewa ! Mamoruga ! Ah, c'est inversé. Mais attends, je pense que tu peux faire start maintenant. Attends. Dirigez-vous vers le point joystick. Fais start. Voilà, regarde, tu dois avoir autre. Option. Tac. Et les joysticks. Regarde, tous les trois. Regarde. Inversé en vertical, enlève le. J'adore ce truc. Oui, merci. Voilà, impeccable. Merde. Effet d'alerte, point de vue, caméra B, sous-titres, oui. Ouais, bref. T'inquiète pas. Là, c'est marrant de voir les... Ouh. Ok. Regardez la lumière devant le pont joystick analogique. C'est très vidéo game, en fait. Hein, ça, j'aime bien. Ah, c'est vénère, un peu, le joystick, non? Tu crois que je peux tomber? Non, il est pas aussi fun que... Attention, hein, il est pas aussi fun que Moves of Madness. Hein. J'ai failli oublier le nom du jeu. De ma gueule. Regardez la lumière devant le pont. Ça. Ah. Ah. Ouh. Wow. Oh la vache. Ouf. Attends, tu peux pas dézoomer là? J'ai de vue pour voir plus loin, vu la première personne. Traverser le pont. Attends, c'est quoi le field of view là, mec? Il est super réduit. On dirait quand je déconnais sur Fallout 4 et que je mettais 5 degrés.
Ouais, il est concentré de ouf, le mec. Ah non, c'est Merlil qui veut. Ah non. Aventurez-vous davantage en île. Oui, monsieur. Eh, franchement, ta sacoche banane. Elle date des années 2000. Par contre, moi j'atterris sur une île comme ça, je préfère mourir tout de suite. Je rentre à la nage, moi. Franchement, je. Putain. Oui, alors des fois ma manette fera ça, t'inquiète pas, panique pas, elle se met à vibrer toute seule, elle s'arrête pas. Non, la mets pas dans ton cul, s'il te plaît. Elle est dans mon arrête, cul. Arrête, arrête, arrête. Quoi, tu fais ma manette dans le cul. Arrête. Ah non. Consultez la carte et empruntez l'escalier proche. Il y a beaucoup... Du coup, quand je clique ailleurs, vas-y, joue un peu, tu peux jouer tranquille là. Je suis ailleurs en fait, je suis sur une autre application, ça dérange pas? T'as cliqué là? Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est cool. Ah putain, c'est super cool, je peux faire ce que je veux, je peux lancer un meme par exemple, regarde. Jesus Christ, it's Jason Bourne. C'est génial! Hé, tu peux jouer, je fais un meme! Attends, regarde, je vais faire des memes qui font voilà, peur. Il y a une échelle cassée. Tu sais que rien de passer là-dedans, là, dans les fougères, le petit coin un peu bizarre, ouais. Ouais. Ça me fait plus stresser que l'autre jeu. Bah oui, bien sûr. Tu veux que j'éteigne notre lumière? Oui. Je vais être dans le noir. Et je m'en fous. Il a eu peur. Attends. Je la ramène dans mon cul. Arrête, non. Pas le cul, pas le cul. Par contre, c'est ultra flippant, là. On est d'accord? Et ça, ouais, c'est vraiment. Bien. C'est la démo. Je me suis. On a tout éteint chez nous là, on est dans le noir, là. On est dans le noir complet, il s'appelle Mamadou. Tu vas jusqu'où dans la démo que t'avais fait? T'as compris la blague? Ouais. Non mais je m'en souviens absolument pas, je me souviens juste qu'on arrivait sur l'île et qu'il y avait une zone comme ça avec un escalier qui montait. Ah ok. Je vois que vous dites beaucoup là sur le channel, oubliez pas demain soir, il y a le dernier jour de l'horrible octobre et on mate un film tous ensemble. Après on a ouvert le drive exprès pour, il n'y a plus de token, il n'y a plus de compte à faire. Ce sera juste pour une fois et on matera un film ensemble, d'accord? Oubliez pas. Voilà. Tu peux continuer. Vous allez dans le mauvais sens, monter. Par contre, je trouve que le tutoriel il est vraiment vénère. Ouais, ouais. C'est Dieu qui te parle. Il te laisse pas le choix. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah. Il y a le nouveau t-shirt demain aussi, ouais. Le ou les nouveaux t-shirts. Bon, maintenant, je donne la manette à Russian. Non, c'est toi qui joues. J'ai joué 2 heures, là. Tu joues 2 heures. Ouais, moi, franchement. Franchement, quoi? T'as pas envie de me voir jouer, c'est ça? Non, je dis juste. C'est un zombie? Moi, je m'en fous que ce soit un de vous du moment. Ah ouais? Dis-moi que c'est pas toi? Ouais, non, moi je suis juste là en tant que soutien, tu vois, en tant que renfort. J'essaierai de trouver aussi un moment pour vous montrer la démo de Carrion aussi, qui a l'air vraiment cool. Carrion? Carrion moto là-dedans. C'est quoi? Entrez dans la zone de détection d'un ennemi, déclenche le signal d'alerte. Alarme, vibration dans mon. Éteignez toujours la lampe torche pendant une alerte. Mais non. Vous êtes moins visible quand vous vous déplacez accroupi. Accroupi. N'oubliez pas, en première personne, c'est vachement plus fun. Éteignez la lampe torche, avancez en étant accroupi. Ah mais c'est un genre de... Ok, ouais, c'est bien, ça commence bien. À la japonaise. T'es bien. En plus, t'avances comme dans MGS4, quoi. Tout. Lorsqu'une alarme vibration s'arrête, vous pouvez rallumer la torche en danger. Voilà. Il a pas dit que je pouvais me relever, hein. T'es vraiment un connard. Toi, t'es le gars dans la classe qui contestait tout ce que disait le prof. Sinon, on reste dans le noir à vie. Comme ça, personne ne peut. Tu veux pas juste retourner nager et on retourne à Saint-Malo? Ouais. Tranquille. Attends, je peux monter? On se noie au pire. Ouais. Vite, quoi. Non, mais on est bien sur l'île. L'île. Bah, moi, pas tant que. Bienvenue sur l'île. Dans Jurassic World, ça. J'aime pas. Non, c'est dans The Island. Dirigez-vous vers sur la droite de l'échelle et tournez-vous face au bâtiment derrière quelque chose. Oh. C'est super dirigiste, hein, comme truc. C'est très japonais. Très japonais, ouais. Tutoriel non complété, civil. Venez. Vous n'allez pas dans la bonne direction, ceci. Attends, j'ai pas compris où je voulais. Si, là, faut juste que tu regardes. Par contre, la maniabilité, c'est... Bah, bien sûr. Attends, il y a certains endroits où vous aurez le choix entre plusieurs actions. Sélectionnez l'action sautée. Oui, d'accord, ouais. Wouh! Tournez-vous à gauche et sautez d'un bâtiment. Ok, et là c'est vers. D'accord. Ouh! Inspectez la zone. Tu vibres encore, ouais, c'est normal. T'es sûr que c'est pas l'ennemi qui est là? Non, parce que je pense qu'il y aurait une alarme justement sonore aussi. Vous pouvez prendre son brillant à l'écran.
Comme dans Silent Hill. Ouais, mais attends, mais tout le jeu qui pose son gameplay sur la vibration de la manette, si ta putain de manette vibre tout le temps pour rien. Ouais, ça va poser gros problème. Écoute, sois concentré. Alors, con. Ça, je peux faire. Ah, pourquoi j'ai là. Tu cherches un peu la merde, hein. Tu cherches un peu la merde. Là, je cherche la merde. Vas-y, viens. Dans le saut, prends ça là. Prends le petit bâton. Défends-toi avec un petit bâton. Je vais faire quoi? Pour l'arrêter. Mais tu peux pas, ça va s'arrêter un moment. Au pire, désactive les vibrations dans le menu. Hein. Non, mais il y aura une alarme sonore. Tu crois? Reçu. Bah oui. Ouais, poutre. Ouais. Allez vers la porte du hangar matériel. Tu vibres encore là? Oui. Mais je dis, va les options. Vous pouvez briser des vitres à l'aide de votre arme. Oui, ça fait pas de bruit du tout. En plus, ça a l'air. Oh là là. Donc, croix. Et ensuite, R1. C'est bien ça. Attends. On entend la manette vibrer. Oh, ça va être bien pour se défendre, ça. Oh là là. Oh là là, la manette est vibre. Mais non, mais... Faut... Mais attends, est-ce que tu penses que je peux la débrancher, brancher, peut-être? Non, ça va faire péter le PSX. Il va tu crois qu'il aime pas le PSX. Anyway... Whatever, you know, it's fine. Bon, alors là, du coup, maintenant, il va y avoir un ennemi, c'est sûr. Oh là là, comment on se tape déjà dessus? Croix plus R1. Croix, non. Ah. Oui, mais oui. Hey, c'est un ennemi, ça? Ouais, ça va. Franchement, j'aurais pas honte. Oh, elle est mignonne. Elle a un visage beaucoup trop réaliste, on dirait Yakuza, mec. What? Mais t'as vu, ils ont une bonne définition, les visages. Ouais. C'est parce que c'est copié-collé, mec. De quoi? C'est un scan physique, ils ont mis des photos. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a aucune déformation des visages. Ah, je vibre. Mais non, mais les femmes et les enfants d'abord. Oh mec, c'est marrant, le doublage il a été fait par des japonais. Votre compagnon peut recevoir... Oh non, pas des ordres. Ah. Vous pouvez laisser un compagnon à l'abri et donner des ordres, cours, cache-toi. C'est les pires trucs dans les jeux, ça. Je ne supporte pas ces phases-là. Ouais. C'est les seuls passages que j'aime pas dans Resident Evil 4. Wait. Tu vas juste hurler. Mais au pire, tu l'as fait crier, comme ça l'autre il la bouffe et toi tu te casses. Attends, mais la manette vibre encore plus. Est-ce que c'est mauvaise? Eh, on est tout seul maintenant. Fous-lui la lampe torche dans la gueule, façon de bac. Oh la pauvre. Tu as mis une torche, mec. Dis bonjour à papa. Après, elle a pas l'air de détester. C'est une vraie japonaise, hein, elle dit rien. Oh ok, je me tais. Par contre, elle a des stigmates ou quoi? J'ai l'impression d'avoir vu des stigmates dans ses mains. Les seuls passages, ça et Lille. Non, Lille, ça va. J'ai moins aimé que le reste, mais Lille, ça va. Mais c'est juste que bah, vraiment, les passages avec Ashley m'ont vraiment fait sourire. T'as pas fermé la porte derrière la meuf? Elle va les c'est pas grave, ça. T'as tabassé une gonzesse, tu mérites. Et lui, sa casquette. Elle connaît le kung-fu. À 115. Vous pouvez crier pour distraire les ennemis qui attaquent vos compagnons. Oh non. Sélectionnez cri dans le menu. Ah, oh, c'est marrant comme truc. Hey, enculé. Hey. Hey. Ah, c'est ça, crier. Hey. Hey. Pour un japonais, ça, c'est le maximum. Hey. Hein. Repoussez un ennemi qui vous mord en bougeant vite le... Joystick analogique gauche. Ok. Ah. Ah oui, il te mord vraiment, c'est pas juste... D'accord. De la même manière que vous brisez les vitres et les portes. Battez l'ennemi. En maintenant R1. Ok, donc tu appuies X de ouf. Voilà. Non, reste appuyé sur R1. Ouais. Le combat a pas l'air... c'est pas Tekken 3, quoi, c'est mais... C'est pas foufou, quoi. Voilà. Voilà, combo. C'est pas un jeu de combat, à mon avis. Combo de planche. Oui. Non. Il s'est concentré. À mon avis, ils veulent qu'on se blesse, hein. Oui, certainement. Vas-y, tabasse-le, vas-y. Vas-y, à deux. Mais... Night of Fire. C'est chiant comme jeu. Non, mais ok, j'ai compris, si tu veux que tu... Allez. Va crever, saleté. Voilà. Quel est ce bruit? Je sais pas. Fais le commandant et enfuyez-vous d'ici. C'est bien ici dans la menu liste. Oh, c'est sympa comme tout. Maintenant on peut baiser. Allez, gardez-vous un... L'autre, elle voit le mec mort par terre, ça l'inquiète pas. Hein. Merci. Juste un petit merci.
T'as pas, quand tu fais triangle, faire des attouchements sexuels dans le métro? Target, ouf. Elle est plus rapide. Tac, tiens, salope. Oh là, oh, oh, t'as vu comment il s'est reculé, mec? Le même regard que Marie Trintignant. Ah. Non, à mon avis, faut que tu passes par la porte qu'il a pété, le mec, là. Les couilles, la manette a vibré. Là, à gauche, 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 gauche. Il a pété la porte en arrivant. Ah ouais, c'est celle-ci, la porte. Ouais. Faut que je cours, moi. Mais je te dis, tu peux pas aller sur start et enlever les vibrations. Tu fais start, autre, tu vires les vibrations, au moins on aura les alertes sonores, c'est pas grave. Parce que je crois que tu peux les virer, non? Vibrations. Vibrations, oui, ouais, ouais, tu les enlèves. Bah là, là. Voilà, tu les enlèves. Y a pas peut-être. Ça continue? Est-ce que ça continue? Oui. Mais ça continue. Ça va peut-être s'arrêter un jour. Un jour. Non, mais c'est pas grave, on va jouer avec. J'ai pas le choix de toute façon. Ça fait un petit bruit de cafard en plus. Les gens vont croire que c'est chez moi. Alors. Vous venez d'utiliser votre dernière ration de Poons. Oh merde, c'était ton dernier point d'intelligence. Putain, oui. Oh putain, j'ai trouvé la porte. On est niqué. Tournez à droite. Oh mec. Bon, je vais aller manger du coup, moi. C'est très très dirigiste quand même. Attends, tu m'attends pour aller bouffer. Allez, tout droit. Vous me laissez pas seul. Oh la panique. Et tu sais que maintenant, en plus que le magasin est ouvert jusqu'à minuit, il est encore ouvert. Hein. On pourrait aller chercher un petit truc. Ça te dit une petite pasta box, Poon? Ouais, franchement. Petite pasta... Oh, vous me ramenez une Algendas. Une petite pasta box aux chandelles. Et regardez, rapide, derrière vous, en appuyant vite sur le joystick analogique gauche. Appuie sur le joystick analogique gauche vers là-bas, ok. C'est pas ce que j'appelle vite, moi, mais bon, d'accord. Faut aider son compagnon. Voilà, mais c'est des gros débiles. Il sait. T'imagines les moments de stress avec ça? Oh là là, mais le jeu a l'air quand même super cool. Hein. D'accord, il a l'air pas pratique, etc. Mais il a l'air vraiment, vraiment impressionnant. Rien qu'au niveau de la technique. Bah, ça marche. Et ouais, au niveau de la trame et tout, c'est très japonais, Marc, mais ça a l'air vraiment sympa. Hein. Dommage. Ouais, loupé. Je mets une petite salade. Merci Hunter pour les deux balles. Merci beaucoup, mec. Ah, j'ai pas le choix. Yolitro, Nagai. J'ai pas le choix. Yolitro. Ah. Oula, oula, oula. Oh, c'est un militaire. T'entends que c'est des japonais qui doublent? Ouais. Oui. Attends. Il parle en japonais un peu. As of 2136, there is a state of emergency. From now on, I will be commanding. Oh là là! Oh là là! Ah, thank you! I will be commanding! Le jeu te donne l'impression de diriger les 30 tonnes tétraplégiques. Qu'est-ce qu'il est bien! Et alors? On dirait Spider. Oh, Pripyat! On dirait un Z. Ouh! Émetteur d'hélicoptère, j'ai pas lu la suite. Oh, un émetteur d'hélicoptère comme dans Mercenaries. Ça vibre depuis 10 minutes. Mais attends, du coup, mais maintenant c'est le moment où il faut la débrancher vu que t'as sauvegardé, on pourrait au pire relancer, tu vois. Rebranche-le. Ah, mais attends, c'est pas en wifi? C'est pas en wifi. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux... Attends, qu'elle s'allume. Le stick. Oh! Donc tu continues avec Mamoru Itsuki! Ta gueule! Itsuki! Mamoru-san! Ah, c'était déjà fait en fait. Donc ça, tu peux pas. À part celle-là, tu peux. Nouveau cinématique. Nouveau. Celui-là, tu peux. Alors, niveau suivant, d'accord, c'est celui vers le bas, d'accord. C'est les bleus que tu peux faire. Voilà. Comme on dit tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est les bleus clairs. Le truc qui a le plus de gueule dans le jeu, c'est d'être les menus, ils sont super propres. Mais pas du tout, mec, on dirait les trucs de Tony Hawk's. Pour le coup, je trouve que les menus sont bien trop vulgaires comparés au jeu, moi. Mais bon, entre les goûts et les miens, Spider. Écoute, hein. Culé. Oh, tu vois, un gun! Oh là là. Toi, si je veux avoir un gun à la place du bâton, moi, ça me va. He's already dead. He's already dead. Oh, my wamo. Shindiru. Get up. Watashi wa shine. Les mecs, ils ont l'air trop réels. Ils ont l'air tellement d'exister, les gars, quoi.
Lui, par contre, on dirait vraiment un gars qui s'est fait. Il est comme ça, quoi. Oh, Russell, il a imité le bridé. Non, je fais avec le toute la. Ouais. T'as totalement imité. Ouais, d'accord, ouais, non, mais d'accord, j'avoue. Il a pété, non, personne n'a pété, Scolar, sinon j'aurais rigolé. Même pas quoi depuis tout à l'heure, il se retient un petit peu. Oh, le petit bébé, il a peur. Oh, le chien, il a peur du noir. Il a peur de se reprendre un doigt s'il dort. Il y a eu un truc. Ah. Oh, mais. T'as vu la tête? C'était quoi cette tête? Mais c'est une texture qu'ils ont collée! Évidemment, la lumière elle correspond pas du tout, y'a pas de shaders! Moi j'ai trouvé une bonne qualité de visage. Ah, mec. On dirait que c'était un genre de photo de famille qui hurlait. Ok. Oh. Ah, nice! Ce niveau permet d'apprendre les rudiments de combat et comment attaquer avec une arme à feu. Suivez les ordres de Takagi. Faites un bibou à Paco pour moi. Allez, faire un bibou à Paco. Oh, bibou. Oh. What? Live with me if you want to come. Il a l'air très étonné. Mec, il est beau, Max. Même lui, il est rigolo. Ils ont mis une lampe sur le visage en plus, mais oui, il y a des trucs qui vont pas du tout. Futur emote, mais si vous pouvez trouver un ou clipper ou découper le. Faire un screen et me l'envoyer, je veux bien faire une emote avec ça, moi. Vu comment il tremble, j'aurais pas confiance, moi. D'accord, une arme. Visez longtemps pour être précis, la précision baisse si la lampe torche est éteinte. Quand vous arrivez à court de munitions, je vais essayer de recharger dans le menu interactif. Ouais, Hiroshi Okita en restant un peu sur R1. Ah, c'est lui qui vise en fait. Oh, oh là. Qu'est-ce qu'il a lui? C'est bizarre, il déloque en lui. Ah ouais? C'est ta manette qui déconne. Il déconne pas, manette. Mais. Oh. Mais. Il déloque. Mais il déloque parce que tu prends des balles surtout. C'est pour ça tout à l'heure que. Par contre, le menu c'est pas terrible. Oh là là, oui, c'est, ça a vraiment pas l'air pratique. Mon copain, il peut pas m'aider là. Mais tu pouvais faire R1 et choisir quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi tout à l'heure, hein? Tu me fais chier, toi! Ça a l'air chiant de ouf! En fait, je crois qu'il prend. Si, il prend les balles quand il est en animation de. Je me suis pris une balle, justement, ou. Est-ce qu'on dirait pas? Je sais pas. Je suis immortel, vous inquiétez pas! Tu peux pas choisir ton pote, non? Ah, si, ça va. En fait, c'est bon. Ton R1, pas vu. Il déconne! Non, il déconne pas avec celle-là. Il y a plusieurs fois, j'appuyais dessus, il déloquait sans me faire tirer dessus. C'est bizarre. Bah merde, il marchait très bien tout à l'heure. J'espère que tu m'as pas pété ma manette, sinon tu me la repèges, je m'en rien foutant. Bon, je vais la casser du coup. Et je veux une nouvelle. Putain, mais. Il revivre. Eh, fais gaffe au câble, oh. Mais j'en ai marre de vivre. Voilà, tu m'étonnes que tout est pété chez toi au bout d'un moment quand tu t'énerves comme ça sur ton matos. Chez moi. Qu'est-ce que tu fais avec ton casse, toi? Parce que c'est plus pratique. Non, mais regarde-le. Oui, il a. Il a peut-être l'air d'un con, mais c'est pratique. Ouais, attends, je prends une photo. Prends une photo. Il n'y a pas assez de lumière, attends. Je vois plus rien. Attends. Je vois plus rien. Attends, je te les envoie. Je vois plus rien. Attends, je suis aveugle. J'envoie une photo. Non, mais fais-le après, tu me les enverras après. Voilà. Bon. Allez, continue, voilà. Vous changez automatiquement d'arme quand vous. Vous pouvez porter jusqu'à des armes simultanément pour changer d'arme, sélectionnez changer d'arme dans la liste. C'est vous, selon le genre d'attaque à qui. On y va. Allez, vas-y. Mais j'aime beaucoup le fait que la visée soit. Automatique en fait, et que c'est selon. Bizarrement, j'ai des flashs de. Putain, c'était quoi le jeu, le GTA-like british là? The Getaway. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense à The Getaway. Ah, oh, c'est marrant, t'as vu sa position en plus, elle est. Du coup, elle est militaire de ouf. Et ah. Tout à l'heure, l'autre non. Puis sur R1 pour armer. Pour armer sur la touche directionnelle O. Pour le mode sniper. Ah, la mode Iron Sight. T'as fou là. T'as pas. Ah, c'est le mode sniper ça? Ah, ouais. Ma gueule, c'est le truc le moins pratique du monde. Ah si, je peux lâcher haut. Allez, pied de shot. Oh là là, ça tremble. Tac. Regarde ton R1. Mais... Oh, il se remet à vibrer, putain. Mais non, mais déconnecte, reconnecte et tu enlèves les vibrations dans le menu. Ça, c'est ça. Oh. T'as peut-être fais pause avant. Pause avant. Voilà. Tac, tu déconnectes. Ah, il vit plus. Sans déconner, tu reconnectes.
Peut-être. Ah non mais c'est pas possible. Et on va jamais y arriver. C'est un jeu qui est censé faire peur. Hein. On n'est pas rendu. Même la photo en même temps tu peux. Et maintenant dans autre, tu vas enlever les vibrations. Attends. Autre. Option. Et en bas, voilà, vibration, non. Et là, tu seras tranquille. Là, c'est la manette hantée, quoi. Bah non, elle est pas d'enfant. On appelle ça un vibro. J'ai fait des blagues. Pourquoi je suis en vue à la première personne? Il est bien mon casque, mais sinon ça fait mal aux oreilles. Bah oui, ça fait mal aux oreilles, je me plains depuis tout à l'heure. Par contre, t'as vu une vue FPS, quand même. Mec, il tire. Et c'est impressionnant. Ah oui, ton pote, il tire aussi, hein. Mais il est impressionnant le jeu, mine de rien. Bien. Oh, t'as vu? On voit les moustiques quand tu mets ta... Ouais. Ah, c'est bien foutu de ouf. Oh, putain. Bordel avec la caméra, mec. Non, t'inquiète pas, je gère. Details. Objectif, accompagner Takoyaki. Moi, franchement, tant qu'on est avec lui, ça va, hein. J'ai pas trop peur. Je suis sûr il va mourir genre dès qu'il va passer ça là. Faut lui dans les shots ? Non. Attends, je peux ramasser un truc. Oh, oh gueule ! Ah, t'as laissé tomber Ramasse tout de suite l'arme. Mais du coup, tu peux changer d'arme. Peut-être que tu dois avoir deux armes maximum. Changer d'arme, c'est quoi ? Tu dois avoir ton gun du coup ? Ouais, c'est ça. C'est pas pratique hein, ce menu là. Bah, t'as pas de balles. C'est quoi cette merde ? C'est qui ces PD là ? Allez, c'est bon les gars, c'est les PD. Merci pour le raid, Robobin, Robobine, Robo. Ouais. Aucune idée qui sont ces gens, mais bien. Bah bien. Hein. On se fait attaquer, les mecs. Contact. Bon, ça va, je suis avec un asiatique. Oh, je peux passer par là. Un asiatique qui n'a aucune. Ça, par contre, c'est très très coloré dans le chat. T'as du vu, hein, ils sont ça, très. Ouais. Cassez-vous. Mais non, laisse-les là, ils sont gentils. Grenade. Sortez les briques. Niquez les lapins! Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000! Certaines serrures peuvent être détruites avec les armes. Ouais, c'est ça, ben. Oh, coup de crosse! Oh, merci Whisky! T'as vu? Attends. Merci Whisky! Schlock! Oh, c'est bien. Eh mec, c'est impressionnant, non? Ouais, c'est de la PS2. Pour un jeu sur PS2, quoi, mec! Par contre, je sais pas pourquoi je suis en vue à la première personne. Je sais pas si c'est comme. Sortir? We just got here! Je pense que t'as dû péter le truc. Non, mais c'est des anglais en fait. J'avais pas le choix, tout au début je l'avais. J'ai vu un truc au bout de l'écran. Who sent you? Who the fuck sent you and why? Mais c'est Robobine, Robobin. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il va mourir. Bah, parce qu'il est gentil. Il va se faire bouffer là. Il va se faire bouffer. Plein de couleurs. Se fait attaquer par des petits arcs-en-ciel, c'est mignon, laisse-les. Oh, beau. Salut, salut mec. C'est le mec qui s'annonce en fait. C'est quoi, c'est Robobin ou c'est Robobine? Dis-nous. Robobin ou Robobine? On peut t'appeler la Robobette si tu veux, ou Robo. T'es Robobin ou Robolapine? Merci mec en tout cas pour le raid. Je sais pas si t'es anglais ou pas. Robo marche, eh bah écoute Robo alors, ça marche. Robine? Bah du coup tu nous dis pas mec. Non mais écris-le en phonétique. ça peut encore être Robin ou Robin. Hein, là, mais on va l'appeler Robo, ça va être plus simple. Ouais, à la limite. Merci mec en tout cas pour le raid. J'espère que t'es pas ni communiste ni chinois. Oh parce putain, l'anglais c'est pire. Oh merde. Bon, c'est quand que vous officialisez le Paxit? Est-ce que Johnson il a renvoyé les photos de bite depuis qu'il a rouvert son Snap? C'est politique, c'est politique. Well, thank you anyway. Very Brexit boy. Very nice. Brexit boy. You be my Brexit boy. My Brexit boy. Arrête, en plus il est grave gentil. Azincourt, on est leur forget. Merci en tout cas, ça nous fait plaisir. Moi je suis de ton côté, faut pas écouter les deux autres cons qui sont avec moi. On essaiera de te faire des raids aussi de notre côté quand on pourra. On va aller voir si. Mais un raid c'est cool en fait. On va aller voir si t'es un peu raciste. le principe du raid. Par contre, nous en France, we don't say raid, we say ratonade. Ok, it's not a raid, it's a ratonade. On dit repousser les migrants. Don't forget. Oh, regarde-moi cette gueule. Oh, lui, il est ouf, lui. Vas-y, mets-lui. Vas-y, je veux jouer. Et lui, c'est qui?
Chou, Mikami. Mais moi, je jouais que des hommes avec des armes. Mais lui, mais attends, le gars qui avait l'air sévère, il a l'air d'avoir un gun, mec. Lui, il a un gun, c'est obligé, regarde, c'est un flic. Shigeru. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, What up, Fenchies? What up, mais you? Ils ont le droit d'être, de vivre à Douy, mais ils ont le droit d'être là comme nous. Ouais, mais pas dans mon pays. Speaking so fast. We don't speak very fast. You just don't know the language, so it's pretty... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais je sais pas. Oh, regarde sa tête, regarde sa tête. Ah, dis-lui que Churchill, c'est un... L'omelette du froid. We say réémigration positive. Oh. Mec, son mais visage, c'est... T'es sûr de définition? Il pend de ouf, mec. Je suis très bête. Oh. Non, faut pas te dévaloriser comme ça. Faut pas dire ça. Tu es certes con, t'es mais pas très bête. T'es mignon et t'es beau. T'as heureusement qu'ils comprennent que de ce que dit Adou. Perfide Albion. Bande de rose bif. Remember Azincourt. J'oublie pas l'Alsace et la Lorraine. Ils disent quoi déjà les Français dans Sacré Graal? En haut de la muraille? I fart in your general direction. Your father smelt of elderberries. Faites chier la vache. Vous pouvez penser que deux hommes choisissaient sur une arme non voulue quand vous aurez ramassé une nouvelle. Ok. Ok. Les lumières blessent certains ennemis. Observez-les bien. Mais les lumières saturent les ennemis, la lumière sont les ennemis, faut comprendre. Pour me dire. Ça se trouve, il y aura même pas des zombies, ce sera juste des mecs dans un métro. Un simulateur de Wii? Non. Pourquoi? Parce qu'on avait le jeu de Juan. Et il y a Calling aussi. Juan, on aurait pu mais faire. Mais vous faites chier avec vos jeux qui font peur sur Wii là. Je sais même pas s'il y a un émulateur Wii qui vaut le coup. C'est ce que vous savez sur le chat s'il y a un émulateur Wii qui vaut le coup? C'est que ça la visée? Ah non, j'ai encore. En fait, tu peux choisir entre une vue à la troisième personne. Ouais, Et une vue à la première. Oh, ça alors, c'était bien c'était, c'était ni moi ni Adwim, c'était Pounz, mec. Ce bruit d'agonie là, c'était Pounz, mec. Je suis désolé. Pourquoi j'ai pas de langue de corps? Sému, il est bien sému. What's the English for chomblard? Hey! On dirait Freddie Mercury. Hey, oh maman! La 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 la. Hey, il est anglais ça, Freddie Mercury. Hey oh! Hey oh! J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Attends, c'est super grand. T'as vu comment il court? Quand même pour la body. Je vais éviter les radiations. Quand même pour la body. Mais ouais, sur Dolphin pour la Wii, on pourrait jouer à Juan et t'aurais très très peur. Y a Dolphin pour la Wii? Oui. Et Semu, ça vaut pas le coup? Je croyais que Semu c'était le meilleur pour l'instant. Mais je crois que c'était pour la Wii U en fait plus. Wii U. Wii U. Wii U. Oh, mais moi ce cul. Oh là là, oh non, papa, non, sautez! Sautez! Voilà. Oh, t'as vu comment il a sauté? Fâche! On pourrait jouer à Wii Sports! Attends, mais c'est quoi ma mission? Je fais tourner Breath of the Wild en 100 FPS avec CMU. T'as quoi comme attends, PC, Félix? Ouya, ok. Au niveau de ton CPU et de ta CG, t'as quoi, Félix? I found you, Mrs. New Booty. Coming for that booty. Ok, on va aller voir là. I'm coming for that sweet booty. Radio Gugu, Radio Gaga. C'est fermé. Mais je suis toujours sage, Polion. Même quoi, l'âge des toujours, caisses. Toujours. C'est une chanson de Mrs. New Booty. Je connais juste Mrs. Jackson de Outkast. Ah oui. Tu pactises avec l'ennemi. Et tu veux pas descendre? Eh, garde tes amis proches, mais tes ennemis encore plus proches. Ah, hein. Momo qui reparle de Katy. What do you think about Katy Perry? Do you ever feel like a plastic bag? Ah, tu peux mettre la musique en plus. Winning to start again. Vas-y, mets du Katy Perry. Attends, je vais mettre. Mais c'était nul. J'avais pas prévu ça. Dis-le que c'est pour les Anglais de merde. Enfin, dis pas que c'est des merdes, mais. Oh. Oh, je l'aime bien, c'est Firework. C'est Firework. C'est pas la version que je voulais. Ready to start again. Do you ever feel? Elle a bien changé le Japon. Do you ever feel already very deep? Ça désamorce tout ce que t'es en train de faire, mec. Hein. J'allais, je m'en bats les couilles, moi. Ah, t'as vu? Ah, c'est vraiment j'ai bien. J'ai cassé une vitre.
Cécile. Oh non, torche. Just July, like the 4th of July. C'est sûr que là, Momo, il s'imagine mort. Il est en train de danser, Momo, il est en train de... De crunk. Il crunk that soldier, oh. Ils sont bizarres, ces gens. J'ai l'impression de devenir dire con. Non, mais tu l'es carrément, là, t'es plus devenu. J'étais fermé, chacteur. Oh, au bon moment. Boutez-moi l'angloire de ce chat, never forget Orléans. Jeanne d'Arc 44. Sainte Jeanne d'Arc 44, merci Jeanne d'Arc pour les 2 euros, merci beaucoup meuf. Beaucoup de respect pour toi et ton bûcher. Vraiment. C'est vrai que c'est à cause d'eux qu'on a brûlé Jeanne d'Arc. Et c'est pas eux qui l'ont brûlé. Non, c'est pas eux, mais c'est sous une pression. C'est nous. Après, si on résiste pas à la pression anglaise, c'est qu'on a un problème aussi, hein, vraiment. Ah, c'était à la guerre de 100 ans. On a l'arme nucléaire, moi. Ils étaient dans le pays. You make my wing go up, 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 straight into your butt, butt, butt. C'est toi, ça, non? Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais casse-toi! Ta lampe torche, ta lampe torche! Ça, alors ça, par contre, c'était très très flippant. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah! Je crois que ta lampe torche peut les... Oui, elle peut les tuer. Ça les éclate. Ouais, bah tu gardes ta lampe torche. En fait, Alan Wake a rien inventé en fait. J'aime pas. Première personne. Eh, ça me fait trop peur. Mets-toi en première personne. Ah! Cassez-vous là! Ton chien il flippe, regarde-le, il te regarde quand t'as peur. Rentrez chez vous! Un peu de Gus DX. Pourquoi vous touchez à mes affaires? Oh là là. Pourquoi ils arrivent en bande comme ça? Approche-toi. Je pense que tant que t'as ta lampe torche, t'es tranquille. Arrête, mec, tes balles. Y'a pas de balle. Non, y'a pas de balle, c'est l'infini. Do you ever... Putain, j'ai dans la tête. Eh, franchement, ça, t'appuies sur R1. Par contre, y'en a de plus en plus au fur et à mesure que t'avances, non? Il faut que tu fasses. Ouais. Y'a peut-être des balles. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Cours, cours, cours. C'est un mur. Putain, moi. Oh là là. C'est bon, il peut plus passer, je me mets comme ça. Une porte là-bas, la porte là-bas, je pense que tu peux l'ouvrir, non? I not understand roast beef. This is the maxi merde. Casse-toi, Moru. We're going to get enculed and then probably completely overrun by some shadowy shadow people. C'est normal ça. The shadow people. Casse-toi. Which I consider my equal. C'est flou là. Putain, pire que les moustiques l'été. Man, you fuck. You're white. Ah, oula, j'ai pas le choix. The yes must win against the no. Do you want to fermer ta gueule? In France, territory of Louis the 16th. S'il vous plaît. Faut que tu l'encules. Regarde. C'est pas gênant de ouf? Moi j'aime beaucoup. Mec. J'ai mal à l'oreille. C'est en gros la même technologie qui avait été utilisée dans LA Noir, mais en beaucoup plus brut en fait. Du lieu de noir désir. Eh, t'as vu, c'est se rejoint. Elle a la gueule plate. Hunter, au niveau du racisme, qu'est-ce qu'on avait dit? Un porno qui connaît commencé comme ça. Une asiatique de militaire et un geek. Oh, voilà, vous avez peur des zombies. Attends, c'est bien, on est 15 000 maintenant. Raccrochez-moi ce que vous pouvez. Allez, bon courage. Non, j'ai dit à Lucas que je ne jouais pas. Pas ça. Non. C'est effrayant par contre. Non. Ah, il fait trop peur lui. Oh la vache, mec. On se regarde pas. Raccroche-vous à ce que vous pouvez, mais faites attention, j'ai l'érection facile. Ah, t'as fait un début de référence Jurassic Park. Ah bon? Le monde perdu. Raccrochez-vous à tout ce que vous voulez. Je regarde que des bons films, je suis désolé. Oh, Fukushima, putain. C'était un torrent de fesses, vague de règles. Et voilà, c'est parti. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, là. Il y a encore de l'anglais? Ouais. British boy. Benny, il est chou. Benny boy. What up, Benny boy?
How you doing? My colored friend? Do you know la tachycardie? La tachycardie! On est passé à combien? Putain, on est passé à 69 viewers, mec! Ouais, 69! Merci les Anglais! 69! Il y en avait 110 tout à l'heure, vous en avez fait fuir la moitié. Les trois quarts. C'est-à-dire que sans. je dis ça, je dis rien. Sans parler anglais. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh! Et elle vient d'où celle-là? Putain, mais attends, mais c'est qui elle? C'est qui vient de se téléporter là? Il rase les... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il rase les petits bonbons roses qui piquent? Mais tu vois pas qu'on a d'autres problèmes à nous? Putain, y'en a plus qu'un! Qui a bouffé les autres? Tu les bouffes moi. Tout seul depuis tout à l'heure, mec. Hein. Mais non! Mais bien sûr que... Il en restait qu'une dizaine. On dirait moi quand je mens. Non mais là, Putain, mais bonbon! Oh mec. Enfin! Oui, Roussian. Ce niveau sert à apprendre à servir de la vision. La vue d'un autre peut fournir plusieurs infos, la direction et la clarté peuvent être importants. Maîtrisez rapidement le verrouillage et la recherche rapide car ils sont crucioux. Je lis ce que je vois, hein. Désolé, je t'emmerde. Hein. Gros débile. Jabukaki in common. Pourquoi elle a dansé? Do you have a view? What's going on here? She's still coming. We better hurry. Mais attends, est-ce qu'on pourrait m'expliquer c'était qui? J'en ai aucune idée. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et eux, ils se connaissaient pas tout à l'heure, là? Je sais pas, depuis tout à l'heure, ils sont... Pourquoi d'un coup, pour Amandou toujours, là? Ah, et puis un peu, ça enlève la neige, en fait. Ça pique les... dans les oreilles. Oh! T'en as trouvé une. Ah, je vois la vision. Oh. En tenant, je sais... Bougez le joystick analogique gauche pour... Déverrouiller, j'imagine. Appuyez sur la touche pour appeler vue. Mec, la traduction, elle est éclataxe. Oh! Et du coup, là, avec elle, t'es un peu plus ou moins verrouillé sur sa fréquence, en fait. Attends, mais comment je verrouille? Bah c'est bon, en fait, t'y es? Non, il faut que je verrouille, après. Et maintenant, t'appuies sur L2? Voilà. Et si tu appuies sur L2, normalement... Alors, commande vision, appuyer sur la touche Start, sélectionner Haute puis Aide. Ok. Et voilà, maintenant t'es donc un si peu je déverrouille, sur elle. Voilà. Là, je déverrouille, si je fais ça, ça marche plus. Voilà. Ça se verrouille tout seul. J'appuie sur quelque chose, j'ai l'impression que je trouve le là, t'appuies sur L2, je pense, et ça save un peu cette fréquence-là, en fait. Ouais, ça fait pique. D'ailleurs, tu vois, il est... ça me nique. Et donc ça, tu vas pouvoir le faire à travers les ennemis. Et quand tu vas voir un ennemi qui te cherche ou qui te voit du coin de l'œil... Tu fais super bien l'ennemi qui te cherche du coin de l'œil. Impossible de revenir. Ah, tu peux la pousser, pousse-la. Casse-toi, salope. Ah non, je crois que c'est parce que c'est des caisses, non? Oh la pauvre. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? On dirait qu'il bouge ses hanches, genre. Mais il est con, cet asiatique. Spider qui collabore. We're not afraid of you. Moi je comprends rien et en plus il y a Maëresh qui m'a dit que je comprendrais rien parce que vous êtes pas concentré et tout. Mais on est concentré. Ah ouais, on a suivi les règles. Ah. Ok. What the fuck did you say about war? You fucking asshole. Mode vision, appuyez sur la touche L1 pour chercher la vue de l'ennemi le plus proche. C'est imbitable par contre. Ouais ouais. L1. Donc tu te fous en mode vision? Non, L1 tout court. Objectif, ok, merci. Et vision, appuie sur la touche. Ok. Elle, hein. Et donc, faut chercher avec. Oh, oh là là. Oh, par contre, c'est terrifiant, mec. Hein. C'est terrifiant, par contre, hein. T'as oh fait peur à Benny. Benny Benassi? Non, mais c'est bon, il est en train de rigoler. Et maintenant, il est en train de dire que la France a perdu beaucoup de guerre. Mais il rigole. Non, c'est un connard. Non, oh, attends, je peux en avoir plusieurs, en fait. Par contre, c'est difficilement compréhensible. Ouais, bah oui, bien sûr. Par contre, c'est terrifiant ce truc là. Hein. C'est lui qui marche, c'est lui qui choisit où il regarde là. Attends, mais si je mets la lampe torche, il va la voir. Et tu peux pas te déplacer pendant que t'es comme ça? Non. Je
je suis en train de me chier dessus, hein. Oh là là, bah oui, il la voit en fait. Oui, il la voit complètement. Oh là là, mec, tu fais clignoter l'écran, je suis en train de me chier dessus là. Oh là là là. Oh putain, mec. Mais reste pas devant. Oh. Oh. Attends, faut qu'il regarde devant lui, On va juste voir le bout du huc. Oh la vache. J'ai failli lâcher mon verre. Ah bah t'as plus de turban dans la bouche, Ludo. Les visions peuvent donner des indices ou aider à sortir... Okay. Ça rassure pas, hein. Ta gueule. Merci, Whisky. Utiliser la vision sur l'ennemi en face de la porte, ok. Ouvrir les gars. Oh là là. C'est quoi ça? Oh, oh, il y en a un qui bouge. Il y en a un qui bouge. Il y en a plein. Je suis en train de développer un grand verre. Oh mec. Oh, attends. Arrêter, hein. Un, deux. C'est un peu con comme mec, le truc de ouf. Mais c'est super impressionnant, mec. Il referme du coup là, derrière. We have Louis la brocante. Il remet le truc. Tu oublies qu'il fait chez le monde. Oh mec, 0323, va niquer ta race toi. C'est lui? Oui, c'est lui. Ah oui, c'est lui. 1-1-2-2. T'as pas peur toi? Il est pas parti encore. Hein. One one two two. Vite. Pan, j'y mets très bien une cartouche pouette. Voilà. Et hop, on se casse de ouf. Mon petit Mathieu. Merci mon petit Nicolas. Ouh. Et ma petite Pounce. Elle a pas de prénom. C'est vrai qu'elle a pas de prénom. Non, j'ai jamais existé d'elle. On l'a. Ça me. À chaque fois, hein, ça me fait. C'est le plus proche. Attends, il va rouvrir la porte en revenant. Oui, faut que tu te casses. Parce qu'il regarde, oui. c'est son trajet. Par toi. Il regarde à travers la porte. Cache-toi. Ouais. Faut se barrer par la porte en acier. Oh là là. Mec, il est terrifiant. Oh non. Il a remarqué que c'était ouvert. Non, c'est bon. C'est bon, il vient pas. Il vient pas. You have Monty Python, we have lâché de salope. Oh, ça m'a fait peur ça. Oh mec. Où est-ce qu'il est lui? Mais oui, je comprends pas. Il est à côté des trains tout à l'heure, je crois. Il zone juste. Ah, en fait. Ah oui, dans la grande. En fait, je peux paramétrer des trucs. Attends. Là, j'en prends un autre. Et là, je peux le paramétrer. Et je l'ai enregistré. D'accord. Et si je. Si j'en prends un autre, genre L. Ouais. J'arrive là. Ah, et tu peux les affecter à des touches en fait. Ouais. Ah ouais. On va voir s'il y en a un autre dans le coin. Non, c'est ouf. Ah. Lui, c'est un autre, non? Il paraît bien aventureux, lui. Ouais. Est-ce qu'il c'est pas dans ta salle? Non. Oh, mais t'as plein. Ouais, il y en a énormément, mec. Attends. D'ailleurs, c'est pas trop fort. Attends, j'ai l'impression que le jeu est un peu fort. Je vais baisser. Il reste, c'est peut-être un petit peu mieux. Oh là. En fait, c'est de gueuler depuis tout à l'heure. En fait, non, je suis un peu désolé. Mais je m'en fous, lui. Do you have a few? Je vais baisser un peu le son au niveau de nous aussi parce que ça gueule. Ok. On y va. Attends. Un enculé. C'est par là qu'il faut se barrer? Ouais. Attends, du coup, tu te rebarres dans la caisse? Ouais. Ça va, Pounce? T'es bien aussi? Ouais, mais ça me perturbe de pas avoir. L'entièreté du contrôle de la situation, tu vois. Ça fait un peu, tu sais, quand. Enfin, maintenant que je conduis tout le temps. Tais-toi! Merci, Whisky, je suis pas rassuré. Ça me fait un peu, tu sais, le même effet que quand t'as l'habitude de conduire et qu'après tu montes à côté de quelqu'un. Ah oui, ouais. Et que du coup t'as pas les pédales ni le volant. Et ben là, c'est un peu en train de me faire ça, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Mission atteindre la route de Hidaru. Je peux être que spectatrice et ça me stresse un peu. Hidaru. Ah ouais, ça devrait être on Calmos sur le chat, les gars, au niveau des blagues nazies, là. Attends,
On était là, on a ouvert, on est passé comme ça. Et bah c'est tout droit, non? Mais il y a un mec tout droit. Et alors? Tu le défonces? Il y a un mec. Tu le défonces? J'arrive pas à localiser en fait. Parce que lui c'est le plus proche. Ouais. Lui c'est un gars au-dessus. Et c'est lui? C'est lui qui te voit? C'est lui qui est devant? J'ai lui qui est loin. Je. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui qui est en train de chercher du caca, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il est en train de fou. Oh, je crois qu'il est à côté de toi. Je crois qu'il... Non, lui, c'est lui, non? Lui, il est loin. Ouais, Spider, il a tout résumé. Oh. Voilà, voilà. Non, non, mais non, c'est celui qui est dehors, c'est celui qui check les cadenas à chaque fois, lui. On va se barrer. L'autruche, il dit grave Spider, mais c'est le premier à dire des trucs comme ça, tu sais. Et c'est le premier à dire « Ouais, on me traite de nazi avec mes cheveux. » Non mais oui. Non mais c'est vrai, ouais. Ok. Tu peux te pencher? Ok, lui il est à l'intérieur. Non, non lui vient pas, lui. Ah si, attends. Je peux faire. Tu peux pas te pencher. L2, ah, R2, bah non. Je peux pas me déplacer. L1, R1. Je n'ai pas vu... Mec, derrière toi, il y en a trois, hein. J'ai pas envie de regarder, mais... Moi déjà, ça me stresse les longs couloirs, parce que je me dis, il y en a forcément... Ah putain. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'as une peur tout seul? Pourquoi t'as une peur tout seul? Oh le pauvre. Il est où lui? Il est où lui? Vous êtes tous mis d'accord pour me mettre en arrêt? Arrête de me regarder toi. Lui c'est celui qui est devant la porte là que t'as vu tout à l'heure. Mais attends, mais j'ai laissé ouverte la porte. Mais non, non, c'est la première, Non, mais je vais la refermer. Oui, si tu veux. Hop là. Clique, voilà, ça c'est bon. Re Hoffman. Bon, en tout cas, Benny, j'espère que t'es pas traumatisé parce que t'es gentil et faut pas écouter un peu tout le monde sur le chat. We love you. Oh, okay, mais t'arrives là, mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi de venir là du coup? Casse-toi. Moi, tu sais, tu penses de venir? Tu me suis, hein? Non, dis pas attends. Voilà. Elle te suit. Attends. Il est derrière moi. Oui, il a l'air de. Non, mais c'est son chemin, ouais. Je crois qu'il vient de temps en temps, ouais, là, attends, t'inquiète. Son chemin, il me. Ouais, putain de merde. Attends, en mode vision, utilisez R1, R2 pour chercher une vue d'un ennemi qui patrouille. Je crois que je vais claquer. Attends, en mode vision. Appuyez sur R1 ou R2 pour chercher des vues d'ennemis qui patrouillent ou se battent. Il vient vers moi. Ouais, maintenez machin pour verrouiller les vues. Il vient vers moi. Oui, c'est toi là, c'est toi là. Il vient vers moi. Ah, il est en train de te manger. Je crois que t'étais en train de lui faire une prise de jujitsu, mais non, il est en train de te manger. Casse-toi. Tranquillement, on se casse un petit peu à la Francky Vincent. Oh, il te poursuit. Par contre, elle reste tranquille en bas, hein. Pas de. Je sais pas où. Oh, Adouim. Il y a une arme au bout. Il y a une arme posée, je crois. Là. Il y a une arme, devant. Prends-la, vite. Oh, yes. C'est un petit pit de biche. Oh, yes. Je crois qu'il va tabasser ta meuf. Hein? Oh. Quelqu'un d'autre m'a vu? Tiens, salope. Allez, tabasse-la. Allez. Mais elle, la crois-tu pas qu'elle peut t'aider? Elle a failli... Mais casse-toi, morue. Elle a failli se manger... Une tartine. Accroupis-toi. Il rentre, non? Il y en a qui rentre? Oh, les bruits sont horribles, poteau. On va se mettre là. Ah oh, là, mais qui c'est qui a fait ça? C'est B44. Merci beaucoup, B44. Merci, mec. Mais surtout, le je te vois, du coup, il est encore plus... Inspecté. Mais s'il faut que j'inspecte. C'est quoi, un calo? Un calopin? Ça se dit une calpine. C'est exactement ce que j'allais dire. Bombe atomique. Attends, je fais la vision et je fais ceux qui cherchent et qui veulent se battre. Et Benny de Nuno, la merguez. Oh putain, il redescend. Ouais, c'est bon. Mais il est même pas là, hein, il est même pas à ton endroit, mec. Il est en train de redescendre. Mais lui, il essaie de se battre. Donc lui, il est en patrouille là. Et actuellement, il est en patrouille. Oh lolo. French hip hop. Quelqu'un lui poste ton gun? Un modo. Momo, pose-lui, pose ton gun. Hein? C'est quoi cette merde? Je sais pas. Oh. Pourquoi il voit plus mal que les autres?
pas s'il est loin. Non, 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 je pense justement, parce que lui, il voit moins bien que les autres, je crois. Et il me semble qu'il disait ça dans le tutoriel tout à l'heure, c'est qu'il y avait une différence de qualité de vision entre différents... Mais non, le pit biche est puissant. Hein. Ouais, ouais, à trois coups, t'as défoncé une pit vieille. Ça, c'est rassurant. Bonne soirée, Chubby. Bisous, Chubby. Salut, mec. Bisous, bisous, mec. T'as t'es où, toi? Do you have a feel? Pourquoi tu bouges pas? Like a plastic bag. Ta gueule. Avec ta gueule de con. Ah, lui, il est... C'est ce il est de l'autre côté, là. En fait, t'es là, toi. C'est ce que j'ai pris pour... Oh. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il fait les bruits de la bestiole. Attends, dans l'épisode 3. Par contre... Ah, arrête. Voilà. Inspecte. Inquiète pas. Mais elle, en plus, elle sert vraiment rien. Mais elle, tu peux pas la poser quelque part, justement, pour qu'elle te... Mais pourquoi t'as fait ça, espèce de malade mental? Mais pourquoi t'as fait ça, espèce de cono? Non, mais elle, tu peux la poser quelque part pour avoir sa vision. Et justement, pouvoir les observer, les autres cons. Ils lui font rien à elle, de toute façon, tout à l'heure, ils sont passés à côté. Ouais, j'ai l'impression qu'ils s'en battent un peu les couilles d'elle. Mais oui, elle, tu peux la placer genre comme un pion à moitié. Pion. Mais remarque, sa vision, elle, tu t'en fous parce qu'elle voit pas à travers les murs. Hein. Bah non, mais au moins. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas loin. Tu peux vraiment voir s'il y a quelqu'un qui arrive sur toi derrière, quoi. Ouais. En la plaçant, tu vois. Oula. Attends, mais j'ai trouvé un calepin par terre et j'ai l'impression que je peux rien en faire. Bah non, tu peux juste l'observer, je crois. Mission, atteindre la route de Yidaru. Bah, je sais pas où c'est la route de Yidaru. Yidaru? Attends, j'ai pas le droit de... Ah si. Yidaru... Ah, c'est là? Attends. Ça a l'air, ouais. La porte d'acier, regarde, porte d'acier. Ah non, attends. Non, c'est là où tu venais, ouais, c'est là où tu venais. Je pense que le truc de Yidaru machin, là, c'est plus loin, là, maintenant. Un truc marrant, c'est quand tu switches de vue et que tu tombes sur des mecs qui t'observent de loin. Ouais, oui. Ça c'est marrant, ça. Tu me fais chier ton calepin. Trop marrant, Mirage. Attends, c'est quoi qu'il a posté, Momo? Il a posté un lien et il dit My favorite. Et je suis sûr que c'est du Katy Perry. C'est soit du Katy Perry, soit du. Ah non, c'est Lino. Qui, non, qui a rouvert la porte dans mon dos? Il a mis du vrai, en fait. Qui a rouvert la porte dans mon dos? Mais dis pas des choses comme ça, toi, espèce de fou, va. Poste là, en haut des escaliers, ta connasse. Attends, là. Déjà, je vais voir s'il n'y en a pas un mec dans le coin. Parce que j'ai ça qui me perd. Ah, lui, il est tout proche, lui, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que lui... c'est ton escalier, ça, hein? Non, le plus proche que... C'est mon escalier, ça? Là, je crois que c'est là où t'es monté, tout à l'heure, hein. Bouge un peu la fréquence pour voir si tu peux pas l'avoir un peu plus bien. Bah non, t'es monté par là, je crois. Justement, t'es monté par là. Je suis juste à droite, moi. Ouais, ouais, t'es juste à droite. Je suis la main. Ouais, c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas grave. Ouais, je suis là. Ah oui, bah en fait, il va me passer dedans. Ouais. Du coup, attends, c'est où la putain de route de Yidaru? Yidaru. Attends, je vais quitter ça. J'essaie de trouver le menu. Carte. Est-ce que, ok, je suis là. Je suis en train de péfli, poteau. Tout à l'heure, on c'est de là où tu venais, là, c'est de là où tu venais. Il était là tout à l'heure, il a fait ça. Ouais. Du coup, à mon avis, moi, il faut que j'aille. Mais là, t'y es, tu viens, ouais. Ah oui, nous, on a commencé là parce qu'il y avait la petite pièce là. Ah non, cette pièce là, où je suis... il y avait le mec qui me regardait comme ça. Moi, je suis passé là, j'ai fait ça. Et après, je suis monté là. Tu crois? Oui, totalement. Parce qu'il y a la première pièce. Ah, mais putain, mais tu. Non, mais c'est parce que je viens de comprendre la map. En fait, non, il faut qu'on sorte là. Oui, c'est bon, t'es à côté, en fait. Le problème, c'est que. Il y a plein de gens dehors. Va falloir courir, hein. Il a 20 ans, c'est un homme. T'es un vieux de biche. Il a 7 ans de moins que nous. C'est vrai, putain. Et lui, avec sa vie, il est en train de tuer les zombies. Nous, on joue à des jeux vidéo. Et je mange des bonbons qui piquent. Et t'en as plus en plus. Do you ever feel like a plastic? Tu veux vivre dangereusement? Non, arrête, espèce de fou furieux là. Mais il est juste à côté, mais. Il redescend. Le problème, c'est que si lui tu le tabasses, ça va attirer les autres, non? Je sais pas, tu crois. Oh là là. Au pire, franchement, crie, attire-le. Au pire, mais tu l'attires dans ta pièce à toi. Ouais, viens, Moru. Casse-toi, par contre. Elle s'appelle pas Moru, elle s'appelle Mamoru, par contre. Oui, crie dans la pièce, peut-être que tu vas l'attirer. Ça va l'attirer. Pas polite. Hey! Il s'en bat les couilles. Est-ce que c'était Boons qui avait fait les montages IRL de la LMF? Ouais. Oui, c'était moi. Oui. Oui. T'as ton pied de biche?
What is noise? Attends, on va faire. Don't worry, we will buy another Japanese. Aïe! Il t'a entendu? Oh, il est con, hein. J'ai l'impression qu'il est con. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Ça reste un petit peu ghetto quand même. Là, t'es à portée, je crois. Oui, parce que on entend le bruit. Ah là! Et là, il y a un petit truc qui dit que t'es en baston. Oh, c'est là une petite vieille, c'est une petite vieille, tu vas la défoncer. Oh oui, j'avoue. Bim! Allez! Bim! Ouh! Elle a une arme aussi, elle, en fait. Ouais. Ok. Elle te mange. Yes. Allez. Oh putain, elle est conne. Allez. Tac. Encore. Combo. Yes. Oh, tu l'as enculé. Il est crevé, le pot. C'est quoi, c'est un tube? Ouais, mais j'ai une meilleure arme. On voit rien du tout. Par contre, le fait que les armes soient invincibles, c'est bien. Est-ce qu'il y a des mecs dans le coin? Attends, derrière, il est derrière. Non, je descends par là, moi. Si tu regardes le plan... Non. Mais pourquoi lui, il mange encore du caca, lui? Si. Attends. Attends. C'est pas ça que je veux. Si, c'était ça. Putain, je l'ai bougé, en fait, le plan. Non, parce que lui... Si, il est là. Tu crois? Oui, parce qu'on voit l'escalier qui monte. Ouais, si, je crois que c'est ça. Et on était sur la gauche. En fait, on est par là. Ouais. Mais il est bizarre, le... Ouais. Alors, ma chère Pounce, quel était le titre de la chanson? Oui, c'est là, on va... C'est la porte. C'est ça, la porte. Putain, il m'a crié dans les oreilles. Oui, bah, je suis stressé. Je sais plus c'était quoi le titre. Je sais que le mec qui l'a fait, c'est Lazare. Il t'a vu. Mais en fait, c'est un mec qui fait plus du tout de musique maintenant. La musique, elle date déjà d'il y a plusieurs années. Et le mec est inactif maintenant. Attends, je vais essayer c'est de quoi, retrouver le titre. C'est quoi cette horreur, mec? Fausse. Il y en a pas énormément, hein, des chansons de lui, du coup, qui... Oh, il a une lampe torche. Il y a Pounce qui est tranquille, elle discute. Mais non, mais attends, je réponds... Pendant qu'on est en train de voir des horreurs sans nom... Attends, s'il s'éloigne... S'il passe pas par la gauche... Non, pas par là, pas par là. Chut. Ah, il vient oh non! Casse-toi, morue! Do you have a fear? Et maintenant? Attends, non, je veux qu'il s'éloigne. Ah! Oh, il a une espèce de tête de kobold en plus. Mais elle est là, Yuri Cantonnet! Oh putain! Non, pas elle a pas d'art. T'en fais une dernière et on quitte, ça te dit? Non. On s'arrête maintenant. Non, on va, je veux juste voir un petit peu elle ce qu'elle fait. Oh là là. Par contre, c'est super cool. C'est quand même super cool. C'est impressionnant. J'ai envie de l'acheter, juste pour l'avoir dans ma collection. Oui, mais moi aussi, c'est ce que j'étais en train de me dire, en fait. Ça vaudrait le coup de l'avoir dans une étagère, ce jeu-là. Et jamais y toucher. Regarde le bébé, comment il... C'est con. Oh, c'est cool qu'il ait pris le screen, bravo les gars. Il l'a envoyé sur le Discord? Oui. Ok, d'accord, j'irai voir tout à l'heure, j'essaierai d'en faire une émote. Oh là là. Jamais j'y jouerai tout seul dans ma vie. Bon, on y jouera ensemble. C'est vrai? Tu sais quoi, tu reviens pour finir Resident Evil 2? Mais t'es vers la fin en plus, là, t'es dans le labo! J'ai peur. Bon, Jean, je l'ai pas sous la main. T'es sur Discord ou pas? Je te la filerai sur Discord si tu veux. Fais péter ton kick. Parce que j'arrive pas à la retrouver là dans mes affaires. Sur PS3 ou PS4, il y en a un autre, Forbidden Siren, je crois que c'est un remaster très propre. C'est un nouveau jeu. Il a pas fait sensation, enfin il a été. Mais il y a un remaster. Il y a eu un nouveau jeu sur PS4 de Forbidden Siren. Il y a le troisième épisode. Il y a pas eu de. Attends, je crois qu'on a reçu. On a reçu une réponse de Invictus Security. C'est vrai? Et ça a dit « Spam Free Hong Kong, your report has been logged. » ils sont en train de dire qu'il y a un agent qui va... qui va, comment on dit... inspecter le message qu'on a envoyé tout à l'heure. Et il faut rester proche des protocoles de sécurité et continuer les tâches de jour en jour. C'est l'adresse email sur laquelle on a envoyé un message tout à l'heure sur l'autre jeu. Et faut pas regarder ce qu'il y a en haut à gauche, hein, on joue avec une vraie console. Et ben du coup, il y a une vraie adresse avec une vraie réponse. Attends, automatisée. Navigateur, truc de couleur bleu clair. Ouais. Est un niveau permettant de jouer. Attends, de la jouer mission la mission 2 pour commencer à jouer, sélectionner. C'est quoi une mission 2? La mission 2 est peut-être verrouillée si lock s'affiche, appuyé sur la touche. Je comprends que dalle. J'ai l'impression qu'il.
Je sais pas ce que ça... Franchement, tu t'en fous, vas-y, va à Shigeru Fujiruta, là. J'ai l'impression qu'on va se laisser guider. Vas-y. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais... J'adore ce bruit. Vous avez fait quoi? On a envoyé un mail à Invictus Security pour leur dire de libérer mon compte. Non, mais s'ils étaient pas là tout à l'heure... Tout à l'heure, on a, dans un document d'un autre jeu, on a vu une adresse mail... Et on a décidé d'envoyer un mail insultant à cette adresse mail. Et c'était pas insultant, on a demandé de Free Hong Kong. Oh, y'a un petit pips par contre. Un petit bibou. Oh, j'espère que tu pourras. Imagine, tu peux voir la vision du chien. Apporter, je crois que tu peux voir la vision. Et tu peux avoir de l'odorat peut-être. Ah, peut-être. Ouais, j'y suis, envoie sûr. Du coup, envoie-moi un message privé, Jean. Juste pour que j'ai pas à te retrouver dans la liste des 400 personnes. Tu m'envoies juste un petit coucou, Poun. Et voilà. Comme ça, tu vas apparaître dans mes messages. Coucou, Poun. Je pourrais t'envoyer un message. Non, toi, Adwim, je t'ai déjà. C'est pas la peine de m'envoyer un coucou. En fait, c'est quand même beaucoup plus cool que l'autre jeu. Bah oui. J'essaye de te la retrouver après le stream ou je te l'envoie dans la semaine, en tout cas. Mais, t'as pas besoin de streamer et ça me stresse, quoi. Le plus blasant, c'est de se dire que ça a été fait avec moins de moyens et sur une console complètement désuète. Depuis 10 ans, depuis non, enfin, 15 ans. Enfin, un pige même. Oh, c'est 2000. Oh, bébé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oh, c'est un adulte. Ah non, son tu le vois sous un autre angle en fait. Ouais, le mec ça. Qui a ouvert la porte au début, c'est vrai. It's me. Il se voit gamin. Et là, c'est du vieux. Salut fils. Papa. Les larmes de la sirène ajoutées aux archives. Le scénario a l'air quand même très japonais. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il était tombé sur la page du lore et que c'était un bordel pas possible. C'est un bordel monstre. Mission 1. Comment ça mission 1 de ce personnage? Ah oui, je te dis que c'est le bordel à un bordel monstre. Shu peut se déplacer en utilisant la vision. Oh non. Appuyer sur la touche R3 qui... Ouais, OK. Pour contrôler les mouvements d'un autre mode vision. Ah oui, donc tu peux carrément contrôler. Donc c'est ça, ouais, donc tu... quand quelqu'un te regarde, tu appuies sur la touche 3. Oh, il est trop cool, lui, le cuisinier. Non, pas encore les... Oh non, pas les petits gaz... Pas les... Oh non, c'est des gaz de prout. Oh, son père, c'est des gaz de prout. Oui, mais qui pose... Oh, il est horrible. Il est super flippant, mec. Vraiment qu'il est con, hein. Attends, utilisez la vue de la cible et déplacez-vous. Lui il voit mal. Ah oh, il voit comme ça. Ah d'accord. Et c'est pour ça il faut se diriger en regardant quelqu'un d'autre. Oh non mais l'horreur. Oh mais l'horreur. Eh hey, mais c'est génial. Oh le petit chien. C'est super. Joue le petit Klebs. Attends. Bah, ça... Tu peux jouer le chien. Oh yes. Mais. Tu veux jouer le chien. Et le tout cool. Appuie sur R3 du coup. Attends mais tu veux pas bloquer sa vision du coup. Attends je cherche l'autre. Attends je cherche les autres. Oh. Bah, lui il voit très très bien lui hein. Y'a pas de doute. Little more, little less conversation, little more action. Je crois que je peux le contrôler. Là tu le contrôles, y'a un moment, là je pense que tu le contrôles, et quand tu rappuies, là tu contrôles plus. Oui, Jean, j'ai un pseudo, c'est dans les personnes qui sont en jaune, Salty Queen. Y'a trop. Une Salty Queen, non. Non. Adoum, il est en train de peu à peu se rendre compte de la tâche qui l'incombe, et qui le décombe. J'arrive pas à le contrôler en fait. Non, tu peux contrôler ton personnage quand tu regardes quelqu'un d'autre. Ah, je peux le fige en fait. Oui, parce que tu peux pas voir, tu vois que dalle. Oh. Donc par exemple, là tu vas prendre la position du chien et tu vas te diriger grâce au chien. Oui, mais Hoffman, je suis pas sur Discord parce que j'ai plus l'appli sur mon téléphone. Non, mais franchement, les lunettes ça existe. Oh, hein. C'est terrifiant. Bah oui, mais il y en a pas. Je peux pas me connecter maintenant. Chope le chien. Attends. Au pire que quelqu'un lui envoie mon truc et puis voilà. Ah! Oh mec, c'est ouf! En voilà un jeu à la deuxième personne, Momo! C'est ce dont on parlait, ça c'est un jeu à la deuxième personne par exemple! Par contre, c'est un temps contrôle quand t'es comme ça, contrairement au reste du jeu, c'est très bizarre. Oh mec! What's you guys Discord? We have links under the stream. We should have links, so don't hesitate, come and say hello. Hello, hello! Ah, j'ai compris ce que t'as dit. T'as vu le chien en plus, il a un mouvement de caméra comme un chien. Ouais. Et il voit en noir et blanc. En plus. Tu peux le caresser? Comme les autres humains voient en couleur, lui voit en noir et blanc. Il me suit en fait. Oui, il te suit. C'est injouable, hein. C'est injouable, mais c'est super. Oh là là, mec. Oh, c'est terrifiant, par contre.
C'est... Casse-toi, chien. Tu crois que je peux me battre? Casse-toi, chien. Je sais pas. Il y a vraiment des gens qui voient comme ça? Il y a des gens sur le chat qui voient comme ça? Moi. Ah, ramassez. Toi, tu vois pas comme ça. Si, moi, je vois comme ça. Ah, tu vois grâce à Paco, c'est pour ça que t'es tout le temps avec lui. Bah, il chausse-pied. Mais qu'est-ce que tu vas en foutre d'un chausse-pied? Si je le mets dans l'œil. Ah, ça peut faire mal, remarque, ça peut faire super mal. Tu peux retirer l'œil, tu peux retirer l'œil, bah oui. On est un peu psychopathe, non? pour penser directement à comment on peut faire pour buter quelqu'un avec un chausse-pied. C'est une lampe torche qu'on a vue là-bas, ou? Oh, ça fait peur. Hello, hello. Coucou. Ah, t'es vu? Ok. Oh, c'est attends. Quand il est coincé, il les yeux fermés, et quand il contrôle le chien, il les yeux ouverts. Parce qu'il se regarde, en fait. Oh, c'est... Et du coup, il voit. C'est mec, c'est vraiment impressionnant. Je suis... Par contre, c'est quand même sacrément... Je suis abasourdi par le jeu. J'avais jamais vu un jeu qui avait autant de techniques sur PS2. Et passe devant, espèce de chien. Ah, mais t'as vu la gueule du chausse-pied? C'est un pied de biche de pied aussi. Regarde. C'est moi, un chausse-pied, quand j'étais petit, c'était un truc comme ça, en métal, tu vois. Un truc de la taille d'une main, tu vois. Et l'autre, il a un pied de biche juste pour les chaussures. C'est vachement dur. Mais c'est une catastrophe. Mais je pense que du coup, il va y avoir moins d'ennemis et tout comme ça sur ce niveau-là. Je suis contente d'être là, la mienne. Ouais. Je suis assez content que tu galères tout seul. Moi, je me suis chié dessus deux fois. Thought I just heard someone fart. It happens, dude. It happens all the time. Donc, il y a lui qui me voit. As it should. C'est Russian qui fart. I do. Oh là. Happens. J'en ai un petit. Attends, il arrive ou pas? Yes. Here we go, Bob's your uncle. Moi je vais y aller. C'est quoi ma mission? Faut que je me taille. Here we go. Ok, donc là je peux passer par la gauche. Ah, je rigole trop avec mes couilles. T'en aboutis. Ouais, vraiment, ouais. J'ai senti le vent. Monter le chemin au sud de la cabane de pêcheur. Faudrait peut-être ouvrir une petite fenêtre. Mais moi, ça m'atteint pas encore. Fais gaffe à ton casque, pouze. Restez dans votre... Smell of vision. Bob's your uncle. Non, mais en vrai, moi, ça attention, va. Attention, regarde. Mais c'est vous. Ouais, mais tu fais mal aux petites chauves-souris, ok? Moi, ça m'atteint pas, hein. Il y a que vous, en fait, ça reste... Mais là, ça va... Je crois pas que Adoum l'ait eu. Moi, je l'ai eu un peu, je crois. Mais je l'ai fait dans ce sens-là, ça allait dans le PC en fait. Très bien. C'est en train d'être recyclé par mon PC. Ouais, le PC qui ventile dans toute la pièce. Ouf, écoute. Pas que capte. Ça va, Twin Tick? Non. Je suis en train de mourir. Salut Ginvel, ça va, mec? Tu fais le con, mais l'autre il est en chute depuis tout à l'heure. Danger droit devant. C'est le chien, tu crois, qui t'a. Qui t'a dit danger, ouais, je pense. T'as fait le chien là? Attends, je passe par là, je remonte, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'ennemis. Ah oui, en fait, ça va être des grands couloirs. Ouais, je pense que c'est plus simple. Mais encore heureux, attends, t'as vu la galère que c'est? Mais c'est vraiment incroyable. Je suis sur le cul, là, vraiment. Passer l'intersection en T en utilisant la vue de Tsukasa. Tsukasa, c'est ton. Garde? Oh, tu peux l'appeler au pied? Non? Non, je peux lui dire d'aller devant. Mais mec! Oh, tu l'as vu? Oh, tu l'as vu? Putain, tu l'as vu? Oui. Fuck. Oh putain, mec. Là, c'est pas tranquillement à base de tranquillade, mec. Il est où le plus proche? Ouais, mais il bouge pas, l'enculé. Tranquillement à base de tranquillade. Allez, comme fatal. Pépèrement à base de pépérade. On est official. C'est la lumière qu'on voit là? C'est juste le spot lumineux, hein. Quoi? C'était pas autant tout à l'heure. Ah, c'est la tienne. Oh là là, mec, ça... Et là, tu vois le mec. Ça me terrifie, mec. Je peux regarder à gauche. Il est dos à vous? Non, il est pas dos à... Attends, on va le voir, là, B44. Tu vois vraiment... On va... Là, ouais, tu vois vraiment sa vision, ouais. B4, hein. Donc ouais, là, il est en train de regarder vraiment... Ah, mais en fait, il regarde de l'autre côté. Tu vois... Ah, parce qu'il est trop loin pour... Parce que oui, non, il... Non, attends. Parce que si je fais ça et que je le cherche... Ah, c'est celui qui bouge. Oui, pas, tu vois pas, en fait. Il est loin. Lui, c'est le chien. Parce que sinon, il te verrait à travers le mur, en fait. Alors, c'est peut-être lui. Non, si, si. Là, il te regarde. C'est lui. Mais il regarde dans l'autre sens. Ouais.
Plus maintenant, c'est lui. C'est lui là. Ouais. Ok, ok, ok. Parce qu'on voit le chien. Okay. Regarde, il y a le chien. Et là, tu peux peut-être utiliser Chou justement. Non, non, attends. Non, pas déjà. Non. Putain, Adwim. Relève-toi. Casse-toi. Mec, qu'est-ce que tu fais? Casse-toi. Tape-le. Un coup de chausse-pied. C'est bon là, tu le vois. Tape-le. Il est mort. Tu l'as déjà vu? Ouais, c'est bon. Derrière toi, y'avait personne d'autre. Si, je crois. Non. Retourne-toi. Oh, stop. Je vais mourir. Non, c'est bon. J'ai cru. C'est la lumière. Oh. Ah. Oh putain. Cours. Oh putain. Il va me taper mon chien. Je crois qu'il a tabassé ton cleps, non? Ah non, c'est pas. Oh, le chien, il m'aide. Ok, on a un peu aidé. Oh. Ouais, alors un peu aidé. S'il te plaît, le chien. Le chien est pas aidé avec toi, par contre. Hein. Si, c'est bon. Ça va le faire. Tape-le. C'est bon. Ouais, il a claqué son meilleur home run sur le clutch. Je veux pas prendre le chien pour qu'on voit quelque chose. C'est rien, on voit là, tout. Je vois. C'est impeccable. Garde. Attends, je fais ça. Ton chien, il est con. C'est lui. Il a une lampe torche, ton chien, ou non, quoi? Non, c'est le mec que j'ai tabassé. Il s'est relevé. En fait, je peux juste le stun, à mon avis. Oh merde. C'est pour ça que notre arme est peut-être moins forte, mais et ne monte pas. 1 km à pied, ça use. Vas-y, Benny, casse-toi. Il chante en français, il est trop chou. Si on est French, sans rien, non. Benny, you're trop chou. We know. Ne monte pas. Eh, rigolez pas, chance 13. We know a lot of English songs. Like. Tranquillement, a bash the tranquil aid. You're trop kiki. Voilà, exactement. You're trop kiki. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est au-dessus? Il est encore au-dessus? Il y en a un autre. Il y a lui là que j'ai tabassé. Ouais, il y en a deux. Il y a lui, je sais pas où il est. Lui, à mon avis, il est beaucoup plus loin. C'est quoi un truc rouge? C'est le dessus des arbres. Ah, ça, c'est dans le film! La grande tour rouge, elle est dans le film. Ça a peut-être une importance. Donc lui, il est pas loin. Oh. Regarde à gauche. Oh, oh putain. Attends, j'en profite. Ouais. Oh putain. Il doit être là. Ouais, vas-y, cours. Mais qu'est-ce que tu fais? Avance, handicapos. Yes, ok. Handicapos. Oh là là, t'es où? Attends, chien, ok. Chien. C'est mon chien. Voilà, allez. Ah! Ouh, merde! Ouais, oh, tu t'es fait tabasser, mon gars, ça t'a viré de la vue directe. Hein. Allez, attaque le chien. Je sais même pas si. On s'taille. Je sais même pas si t'as de la vie ou un truc comme ça. J'ai pas l'impression que tu te sois fait. Blessé trop. Allez, avance. Ah, il est cliniquement aveugle ou quoi? Oh merde, y'en a un autre. Oh putain, mais ils sont partout, c'est con là. Ouais, en fait, y'a pas moins d'ennemis du tout, ouais. Mais tu peux mourir ou pas? Je sais même pas. Je sais pas, c'est pas le moment. Otiko. Oh là. Tu es mort. Oh putain, attends. Non, c'est l'autre côté, c'était là, non? Faut que tu fasses demi-tour. Ah ouais. Oh putain. Et que tu... Attends, je fais demi-tour, je vais sur ma droite et la première à gauche. Ouais, c'est ça. Là, faut te repérer au plan parce que là... Aide-moi le chien, je passe là. Voilà, la première à gauche, qui est là. Ouais, c'est ça. Là, mon gars, tu navigues littéralement aux instruments. Hein. Je ne vois rien. Attends, non. Si. Ah, si, première à droite. Si, première à droite. Ouais, juste ici. Ouais. Il y en a un qui a dit rentre dans la maison. Oh, oh. Ah là, c'est fini. Tout cas, viens le chien. C'est bon. On s'arrête là? Ouais, va falloir, parce que là. Je me lève. Ouais. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Le jeu s'appelle Formidable. Ah, c'est quelqu'un? Le jeu s'appelle Forbidden, j'ai regardé. Oh, ta lumière. Le jeu s'appelle Forbidden Siren 2, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne, essayez de l'émuler aussi, ça passe très bien. On espère que ça vous a plu, c'était mieux que le premier jeu. Oh, c'était génial. Je suis vraiment, vraiment impressionné par contre par le jeu en lui-même et c'est vraiment intense. Je vais sauvegarder quand même. Tu veux sauvegarder? Vas-y, sauvegarde pendant que je parle. Ouais, le premier jeu, pas tant. Non, c'était long. C'était long, et puis c'était normal, c'était... Ouais, c'était... Comment on dit...
Après, quoi, le si terme on était encore dans la lumière et tout, tu vois, on aurait été dans le noir comme là. La lumière de j'ai rien passé pour être regardé. Bah, ouais. Non, je sais bien. Mais non. C'était convenu, voilà, le jeu était convenu. En une heure et demie, je me suis chié dessus. Surtout en une heure et demie, on a vu bien plus de ressorts de gameplay intéressants. C'est renouvelé toutes les 20 minutes. Bah voilà, ils ont rajouté des trucs progressivement, contrairement au premier où on a chargé des batteries pendant 2 heures. Ouais, oh putain, non, me rappelle pas ça. En tout cas, on vous fait de gros bisous. On dit merci à Robo qui est venu nous amener les copains. Ouais. Thank you a lot for coming. Benny, Benny. And cute and plein de trucs. Et plein de trucs. Okay. Ouais, tout pareil. Du coup, on va vous faire de gros bisous. Et attends, moi je voulais foutre une chanson, je voulais foutre. Reviens demain, Benny. Benassi. Bon, c'était cool. Je crois qu'il a follow d'ailleurs. Bref, gros bisous les gars. Ciao et à demain. Oubliez pas demain le film sur le drive. Ouais. Attention, on va vérifier qui est là. Allez, bisous les gars, demain. La bisette. Allez, bite. Tchuss.